Vous voulez offrir une chanson? You want to offer a song? Notre Père Céleste, aujourd'hui nous sommes le 22 octobre 2017 ici aux États-Unis d'Amérique, précisément à Denver au Colorado. Nous élevons nos voix de gratitude et de reconnaissance de ce que nous sommes en bonne santé, qui nous a protégés contre beaucoup d'accidents, de voitures, de maladies et de beaucoup de situations. Nous sommes ici ce matin pour élever nos voix de gratitude et de reconnaissance vers toi pour tout ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous. Ce matin, nous voulons étudier ta parole. Ce qui n'était pas nécessaire, selon ton plan originel, c'était que l'homme devrait vivre naturellement la parole, vivre ta nature, vivre comme il se devait. Et mais à cause du péché, Père, aujourd'hui nous sommes obligés d'étudier la parole. La parole nous vient de l'extérieur et elle a des difficultés à entrer dans notre tête à cause de la nature déchue et aussi à cause du péché. Donc la parole de la Bible dit qu'elle est comme un marteau. Ça va frapper sur la nature déchue, frapper sur le péché, à ce que ça entre à l'intérieur de nous-mêmes. Père, aujourd'hui nous offrons notre temps. Parce que nous voulons étudier quelque chose de toi. Et nous voulons étudier, Père Céleste, ce qui n'est pas souvent enseigné. Nous en parlons, mais nous ne faisons pas très attention. Voilà pourquoi, comme notre mère a demandé, nous allons repartir à notre amour du départ. Ce qui fait qu'on doit repartir sur les bases. Comment apprendre encore le principe, aller au point zéro, afin de continuer à comprendre ce qui se passe, la direction de la providence et les paroles qui sont données par nos vrais parents, afin qu'on arrive à les comprendre. Mais nous voulons, Père Céleste, poser des bases, des principes divins de les comprendre. Nous voulons t'offrir ce moment avec gratitude et reconnaissance au nom de toutes les familles bénies centrales ici rassemblées. Adieu. Ok. La fois passée, nous avons parlé sur... On avait parlé sur... l'action de donner et recevoir. On avait parlé sur le fondement de quatre positions et on avait parlé sur l'action de donner et recevoir, le fondement de quatre positions et la force première universelle. On n'avait pas fini. Ce matin, nous allons étudier l'action, origine, division, union. Le but des trois objets est le fondement de quatre positions. Qu'est-ce que ceci veut dire? Chaque fois qu'on parle de fondement de quatre positions, nous parlons des fondements de quatre positions. Mais nous ne savons pas l'origine du fondement de quatre positions. Il est dit... Le fondement de quatre positions, c'est le fondement de l'existence. Le fondement de quatre positions, c'est le fondement de la puissance. Le fondement de quatre positions, c'est le fondement de la reproduction. C'est le but, ce qui accomplit le but de la création. C'est le fondement de quatre positions. Mais quelle est l'origine des fondements de quatre positions? C'est ce que nous allons voir ce matin. Dans le livre, c'est le point C, petit C. On appelle ça action, origine, division et union. Action, origine, division, union. On parle... Le but des trois objets, ce sont des choses qui ne sont pas souvent enseignées. C'est enseigné, mais on n'en parle pas souvent. Et le fondement des quatre positions.
Vous allez voir que toutefois on parle des fondements de quatre positions. Dans la famille, si le fondement de quatre positions est établi, la famille, elle est forte. Si le fondement de quatre positions est établi au niveau individuel, tu deviens un individu idéal, un élément parfait, un objet de joie pour Dieu. Si le fondement de quatre positions est établi entre Dieu, le mari et la femme et les enfants, on a dit que c'est une famille idéale. Mais quelle est la source, la base du fondement de quatre positions? D'où cela est venu? Nous allons d'abord parler de l'origine. On a dit que Dieu, c'est lui qui est l'origine. En Dieu, il y a le sujet et l'objet. Sujet et objet en Dieu sont en absence de donner et de recevoir. Chaque élément, ce qu'on appelle entité de création, né de Dieu, doit grandir. Ça veut dire que chaque élément, c'est une projection de la nature de Dieu. Donc, le sujet, l'objet en Dieu, Dieu le projette. C'est une projection. Il projette et ici, ça devient un élément à part. Ici, un élément à part. Ces deux éléments en Dieu sont en harmonie. C'est le sujet de Dieu et l'objet de Dieu. Dieu le projette. Il le projette, c'est-à-dire c'est comme s'il se multiplie. En les projetant lui-même, ces éléments qui sont en harmonie à l'intérieur doivent aussi s'harmoniser. Donc, Dieu ne pense pas à lui, il pense à un but plus élevé. Et les deux éléments qui sont sortis sont devenus des éléments nouveaux pour Dieu. Et maintenant, ces éléments sortis, eux aussi, puisqu'ils sont en action de donner et recevoir, eux aussi, ils ne pensent pas à leur but individuel, mais ils pensent au but de l'ensemble. Le but de l'ensemble, eux aussi, ils se projettent. Leur union, leur action de donner et recevoir donne un élément, naissance à un nouvel élément qu'on appelle l'union, qui est ici à l'intérieur, le sujet, l'objet. Le chiffre 3 vient de quoi? Le chiffre 3 vient de 3 niveaux. L'origine, division et union. Donc, ça nous donne 3 niveaux. C'est le chiffre 3. Et vous allez remarquer que dans toute la Bible, le chiffre 3 sort beaucoup. Ce sont les chiffres, on appelle ça le chiffre providentiel. C'est beaucoup dans la Bible. Même la création a pris 3 périodes, 3 niveaux de croissance plutôt. Et ensuite, Jésus a eu 30 ans et il a fait 3 jours dans la tombe. Les 3 corps, les 3 parties du corps de l'homme, la tête, le tronc et le membre, la plante, c'est la même chose. Et la terre a 3 parties aussi. L'enveloppe, la croûte et le centre. 3. Donc vous allez voir, le 3 est providentiel. Et aussi, nous avons aussi 3 testaments. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament, et nous avons le Testament accompli. Le monde ne connaît pas, mais la providence de Dieu avance. Le chiffre 4 vient d'où? Le chiffre 4 vient des 4 éléments. Donc vous allez voir que le 3 et le 4, ce sont les chiffres d'accomplissement ou de perfection. Et nous avons le chiffre 7. 7. D'où vient 7? 7 vient de 3 plus 4. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, on parle de 40. Ça peut être 40, 4, 40 ou 400. Vous allez lire bien la Bible, vous allez voir que ces chiffres-là reviennent. 30, 3, 4, 40, 400, 430,
et ensuite le chiffre 7. 7 jours de la création et ensuite les 70 disciples de Jésus et ensuite les 70 parentés de Moïse et le chiffre 777. Ça se répète. Jésus a dit, en combien de fois tu dois pardonner? Il faut pardonner combien de fois? 70 fois, 7 fois. Et ensuite, le chiffre 12. 12, c'est 3 fois 4. Et ensuite, ça nous établit les relations que vous avez ici. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 relations. Donc, essayez d'établir 12 relations dans ta vie avec quelqu'un. C'est, ça va faire une force dans ta vie. Tu n'auras pas de barrière, tu vas aller n'importe où, tu vas passer par n'importe quelle porte. 12 relations. Il faut avoir une Togolaise, une Congolaise, une Française, une... Hein? Voilà. 12. Hein? Voilà. Donc, en ce moment-là, tu vas t'épanouir partout. Par exemple, tu vas dans une fête. C'est une fête. Quand tu viens, tu ouvres la porte, tu ne vas pas t'asseoir directement. Tu vas d'abord regarder qui tu connais d'abord. Et tu vas t'asseoir parce que c'est ton niveau. Mais après, tu vas encore, j'arrive. Tu vas encore saluer l'autre. Il y a tel aussi. Après, tu vas voir, finalement, tu deviens la personne centrale de toute la fête. Tu es partout. Tout le monde. Ah, il est connu. Hein. C'est le fondement de ton cœur. L'amour que tu as pour les gens, c'est ce qui fait que tu n'as pas de frontières, tu n'as pas de barrières, tu vas te retrouver n'importe où. Donc, voilà le secret du fondement de 4 positions. L'origine du fondement de 4 positions, c'est quoi? C'est le critère des 3 objets et le but des 3 objets. Dans le plan originel de Dieu, Dieu n'avait pas voulu que quelqu'un pour prier doit passer par. Voilà le secret. Mais à cause du péché, cette relation entre Dieu et l'homme a été bloquée. La Bible dit quoi? Genèse 3, 24. Quand Adam a péché, Dieu a envoyé les chérubins avec les épées qui brûlent pour barrer le chemin qui mène à l'arbre de vie. Et bien c'est quoi l'arbre de vie? C'est la perfection. L'arbre de vie est parlé de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On parle de l'arbre de vie qui est devenu l'espoir de l'homme. Voilà le message qu'on n'avait pas terminé la fois passée, que nous venons de terminer aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir le but de la création. Pourquoi le Dieu Tout-Puissant a commencé-t-il à créer? Il cherchait quoi? Qu'est-ce qui lui manquait? Voilà, je vais prier pour clôturer. Notre Père Céleste, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Merci pour ce matin. Merci Père Céleste parce que nous vivons le temps providentiel. Nous vivons le temps où nous pouvons être fiers, Père Céleste. Parce que nous vivons le temps où le second événement s'accomplit. Nous vivons le temps où les derniers jours s'accomplissent. Et nous savons qu'après les derniers jours, viendront les premiers jours. Pourquoi derniers jours? Les derniers jours de l'histoire du mal centré sur Satan. Pourquoi les premiers jours? Ce sont les premiers jours de l'histoire du bien centré sur nos vrais parents. Parce que le mal va disparaître, le bien va s'établir pour que tes enfants s'épanouissent et que toi aussi tu puisses avoir une relation directe avec tes enfants. Père du ciel, maintenant tu peux te réjouir. Je sais que pendant longtemps, tu n'as pas compris, tu as été rejeté, même par tes propres enfants. Mais aujourd'hui, Père ciel, à cause de la grâce, à la clarté du message, du principe divin, la clarté pour la Bible, la clarté pour notre vie, la clarté sur beaucoup de choses, Père ciel, nous pouvons voir combien tu as l'amour pour l'homme, combien tu voulais établir ces choses-là pendant longtemps, combien tu voulais parler à l'homme depuis longtemps, Père du ciel, mais tu n'as pas l'opportunité parce que les gens t'ont rejeté sans le savoir. Ils ont servi un autre maître sans le savoir. Père du ciel, merci pour ce matin. Merci pour tes enfants ici présents. Tu connais la situation de chacun. Tu connais ce que chacun traverse. Tu connais les désirs qu'ils ont. Tu connais, Père Céleste, leurs besoins intérieurs. Mais ils ont sacrifié le lit. Parce que maintenant, Père du ciel, le climat change. Le lit, c'est beau. La couverture de rester dans le
le drap tôt le matin. Mais ceux-là ont sacrifié le temps pour venir écouter ce message. Père du ciel, c'est le fondement de quatre positions. Fondement de l'amour, fondement de l'existence, fondement de la puissance. Merci Père du ciel pour cela, pour ce secret que tu nous as révélé. Donne-nous d'enseigner aux autres, Père du ciel. C'est notre mission, c'est notre responsabilité. Je déclare tout ceci avec gratitude et reconnaissance au nom de toutes les familles bénies centrales ici rassemblées. Amen et adieu. Merci. Any question? Nancy's not here. Gloria, let's go.